aujourd'hui pour un petit unboxing des Nike Alpha Fly commandés sur DHgate. Donc alors, on voit que la boîte, elle est assez ressemblante à la vraie quoi. Donc bon, elle est arrivée défoncée, elle a mis vraiment longtemps à arriver. Du coup, on voit que tout est reproduit pareil, donc la taille, il y a un code barre, enfin bref, tout est... C'est vraiment ressemblant. Maintenant, on va voir la paire. Donc, ça a été acheté pour 75 euros, je crois. 75 euros la paire. Donc, bon. Alors, on a le petit emballage Nike de base. Et par contre, il n'y a pas le sachet qu'ils te mettent avec habituellement. Donc, bon. C'est le coloris. Nike vend pas ce coloris en shop, mais c'est le coloris d'Eliud quoi, quand il a battu le record. Et du coup, on peut voir, on va juste regarder ça. Donc bon, c'est vraiment pas mal imité. Atom Knit, Zoomix, ouais. Et la plaque carbone. Ouais, la fly plate qui est apparente. Bon, c'est... Je pense que c'est du plastique, j'en sais rien. Et avec le coussin Air Zoom. Donc bon, sinon la paire esthétiquement, elle est super bien faite. Franchement, il n'y a quasiment rien à redire. Et on va la tester et je vais vous faire un petit retour dessus. Ouais, plutôt belle. J'ai l'impression de faire 2m10 avec. Donc, je vais aller tester les chaussures. On va partir sur un petit débrief de la sortie. Donc, alors, premier truc. Le Atom Knit, là. Bon, c'est un faux, du coup, mais il maintient pas du tout bien le pied. T'as l'impression vraiment d'être sur des échasses, parce qu'elles sont super hautes. Avec ces chaussures, je dois faire 2m05. Ensuite, on voit que bon, après 4 km, bon, c'est un peu usé, mais après en même temps, c'est des semelles blanches, du coup, ça c'est normal quoi. Sinon, voilà. Après le lassage, bah, il est correct. Ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas s'il faut l'enlever ou quoi, mais en tout cas, c'est chiant pour du cours. Je les ai testés, j'ai fait un petit 1200 en 3 kg. Et c'est franchement, j'étais agréablement surpris quand même parce que tu es bien. Le coussin il renvoie vraiment pas mal. C'est quand même assez rigide. Donc franchement, c'est pas dégueu. Bon après, voilà, t'as pas de lame de carbone et tout, mais c'est franchement, tu peux courir avec ces chaussures. Franchement, c'est pas dérangeant.